Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le message Un jour avec Jésus. C'est bizarre, mais je trouve qu'il est flou. Bon, je vais vous lire le message quand même. Confie-moi ton esprit afin que je lui procure repos et renouvellement. Laisse-moi imprégner tes pensées de ma présence. Lorsque tes pensées arrêtent de bondir dans tous les sens, ton corps se détend et tu prends à nouveau conscience de ma présence. C'est tout simplement vital pour ton bien-être spirituel. C'est ce qui te relie à la vie, spirituellement parlant. Il existe en réalité plus de quatre dimensions dans le monde dans lequel tu vis. En plus des trois dimensions de l'espace et celle du temps, il y a la dimension de ma présence. Elle dépasse de loin les autres et te donne un aperçu du ciel durant ton séjour sur la terre. Cela fait partie, pardon, je vois pas grand-chose aujourd'hui. Cela faisait partie de mon plan originel pour l'humanité. Adam et Ève marchaient avec moi dans le jardin avant d'en être chassés. Je veux que tu marches avec moi dans le jardin de ton cœur où j'ai établi ma résidence permanente. Voilà, c'était le message du vendredi 24 septembre 2021 de Moment avec Jésus. Je vais essayer d'aller. C'est bizarre, je suis dans une autre pièce. Et c'est peut-être pour ça que vous voyez rien. Je vais essayer d'aller dans le jardin. Pour voir si. Pour vous le mettre. La page. Je sais pas si là vous voyez mieux. Bon. On va retourner comme d'habitude là où je lis bien. Parce que je voulais vous mettre la page. Pour voir si c'est bon. Ah. Non, je crois qu'aujourd'hui, un truc. Je sais pas. Bon, là, vous voyez mieux. Je vais le laisser un peu. C'est bizarre parce que d'habitude, on voit mieux que ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est mes yeux qui sont flous. Dites-moi si vous lisez bien, parce que je crois que c'est mes yeux, ils ont un problème aujourd'hui. Je vais essayer de le mettre comme je fais d'habitude pour voir. Désolée, hein, mais. Hop. Je sais pas, aujourd'hui, je trouve que ma vie, elle est floue. Bon. Pas, c'est bizarre. Je peux pas vous dire, hein. Bon, peut-être que vous voyez mieux comme ça. C'est pas bon, mais je vais vous souhaiter une agréable journée. Ah, je sais, parce que j'avais mis pour nettoyer chez moi, j'avais mis beaucoup d'encens. Pour nettoyer spirituellement. Peut-être c'est à cause de l'encens et parce que je sais qu'il y a plein de fumées qui doivent sortir parce que j'ai fait un nettoyage énergétique et j'ai fait un nettoyage pour couper mes liens transgénérationnels qui me bloquent dans ma vie alors qu'ils ne m'appartiennent pas et qui appartiennent à mes ancêtres, par exemple, à ma famille. Donc tout ça, il faut les couper, les nettoyer. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est pour ça qu'il reste de la fumée. Je comprends mieux. Que j'ai nettoyé avec de l'encens. De l'encens que j'ai spécial pour ça. Voilà, je vous souhaite un agréable vendredi. Et je vous dis à très bientôt. Demain, ce sera plus clair. Gros gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.